Comme on peut lire ici, Mwanda, une des cités de la province du Congo central en République démocratique du Congo, vache laitière, ne mérite pas l'injustice, courant ou rien. Cependant, c'est la réalité qu'on voit ici, avec la desserte en électricité depuis des années. En tout cas, nous avons vraiment un très sérieux problème. Le courant est instable. Nous n'avons jamais passé deux jours avec le courant. D'ailleurs, si je m'en vais par le deux jours, c'est d'ailleurs trop. Toute une journée. Avec l'électricité, c'est vraiment difficile. Alors, nous avons toujours le système de délestage. Si vous avez de la chance, par semaine, vous pouvez avoir trois jours de courant. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, vous allez au courant, jeudi, vendredi, le samedi, vous avez le courant. Soit le dimanche soir aussi, s'il y aura l'opportunité. Nous avons la Pernambouc, nous avons le Sozir, nous avons en tout cas vraiment la source du pétrole ici à Mwanda. Mais dommage que nous avons toujours problème de l'électricité. Il faut noter que ces habitants sont fatigués du mauvais service de la Société Nationale d'Électricité et lancent un SOS aux décideurs à pouvoir pallier à cet état des choses. Par cette occasion et opportunité, je m'en vais adresser le message aux autorités. Je m'en vais directement aller, même pourquoi ne pas dire au président de la République, d'essayer un peu de revoir la rencontre qu'il a eu à tenir ici, à Mwanda. Alors, il avait convoqué les autorités compétentes, donc le responsable des entreprises que je venais de citer, Perenco, Saussure, Snell, s'ils pouvaient faire quelque chose, afin que nous ayons quand même l'électricité, même pas à 100%, parce que nous connaissons la situation actuelle du pays. 100%, c'est un peu difficile, mais au moins, même à 70%, je pense que ça sera quelque chose de bien. Rappelons que la ville bénéficiait du soutien de la société pétrolière Perenco, qui avait à sa disposition des groupes à gaz, mais ceux-ci ne sont pas capables d'alimenter toute la cité par l'entremise de la Société Nationale d'Électricité. Mwanda crie au secours.